vous plaît. Je m'interroge ce jour sur la question de la prolifération exagérée des auto-écoles clandestines dans ce pays. Comment comprendre que certaines auto-écoles fonctionnent sans dossier administratif? Comment comprendre qu'il n'existe pas un suivi constant et permanent dans le cadre de l'assainissement du fichier des établissements de formation à la conduite automobile prescrit depuis 2012 par les différents ministres des Transports? Depuis un certain temps, nos axes routiers sont devenus le théâtre à répétition des accidents honteux mortels dus à la délivrance fantaisiste des agréments de création et d'ouverture des auto-écoles par le ministère des Transports. Le manque de cadre adéquat des auto-écoles, matériel d'apprentissage pour la bonne formation des apprenants. La non-expertise des moniteurs d'auto-école a formé les chauffeurs en conduite de nuit et surtout défensive. Comment comprendre que certains établissements de formation en conduite automobile présentent encore des irrégularités auprès ou après le processus d'assainissement du fichier des auto-écoles au Cameroun? Comment comprendre que ces établissements de formation à la conduite automobile puissent exercer sereinement leur activité au vu et au su des autorités publiques sans aucun document? Comment comprendre que plus le temps passe, plus les établissements de formation en conduite automobile se créent, se multiplient dans les principales villes au regard de la hausse du prix de la formation en conduite dans ce pays? Comment comprendre ces circuits informels créés au sein de l'administration centrale à Yaoundé? Savez-vous, il y a quelques années, un Audi commandé par le ministère du Transport a permis de débusquer 398 auto-écoles clandestines, dont 139 pour la région du littoral. Il leur était reproché de fonctionner sans autorisation d'ouverture ou d'être dépourvu de documents conformes. Un délai de 2 mois alors avait été donné aux promoteurs de ces structures épinglées pour se mettre en règle sous peine de voir leur agrément suspendu. Dans la région du centre, à laquelle est rattachée Yaoundé, la capitale, le travail mené par les agents du ministère a permis de rendre compte que 133 établissements de formation à la conduite automobile opéraient dans l'illégalité. La région de l'Ouest, 34 auto-écoles sans papier. À ce jour, tout semble être provisoirement rentré dans l'ordre. Pourtant, le problème est davantage profond. Je pèse mes mots, tout semble être provisoirement rentré dans l'ordre. Comment comprendre que dans cette seule ville de Douala, une seule ville comme Douala, nous avons une auto-école à elle seule, pas une, plusieurs auto-écoles à titre d'exemple, qui ont 8 représentations. L'auto-école Charles Armel à Village, l'auto-école Charles Armel à Akwa, l'auto-école Charles Armel à Bonamouzadi, l'auto-école Charles Armel à Mbedi, l'auto-école Charles Armel à Bonassama, l'hôtel Charles Armel à Bekoko, l'hôtel Charles Armel à Bonanjo, l'hôtel Charles Armel, ou bien l'auto-école Charles Armel à Bonakwama. Et ils exercent. Pourtant, d'après la réglementation, il est strictement interdit pour une auto-école d'avoir 2 succursales, 2 représentations dans une même ville. C'est strictement et littéralement interdit. Et pour le reste, il faudra avoir une autorisation spéciale. Sauf qu'au Cameroun, chacun fait comme il veut. Vous allez retrouver la 9e à Lokpom, la 10e à Touo New City. Vous allez retrouver la 11e à la Dibamba, du côté de Ndolé, et peut-être, on va le dire, la 12e ou la 14e ou la 19e à lundi. Voilà comment se créent des choses. Le ministère laisse faire, les gens se retrouvent à se former. Vous entrez dans certaines auto-écoles qui se disent auto-écoles de nom, c'est un salon d'une maison qu'on a transformée en auto-école. Il n'y a absolument rien. Le véhicule qu'on utilise est un véhicule prêté. Allez voir, lorsqu'on apprend aujourd'hui la conduite pratique, c'est-à-dire les cours, la formation pratique, sur les allées à Makepe, avant le cinquantenaire, ils ont un couloir très bien connu de ce côté. Allez du côté de Mebel,
plus précisément sur l'axe de Kouloulou, derrière Studio Photo Golden, ancien Studio Photo Golden, ils ont encore une rue de ce côté. Vous allez voir que ceux qui ont été formés à l'auto-école Charles Armel vont faire les cours pratiques à l'auto-école Cédric Ding.